Bonjour. Vous allez bien? Je sais. N'oubliez pas qu'on fait le lavage au pipi. On doit se laver avec le pipi tous les 7 premiers jours du mois. C'est très important. Très important. Ok? Je sais de quoi je vous parle. Bon, je ne sais pas par quoi je vais commencer aujourd'hui. Hier, je n'ai pas fait de direct. Donc, il fallait que je me repose. J'ai fait le lavage avant-hier. Donc, c'était très fatigant. Et on va faire d'autres aujourd'hui en cours. Voilà. J'ai tellement à vous dire, il y a tellement de témoignages. Je vais vous donner quelques témoignages avant de commencer. Okay? J'ai publié ça dans le groupe WhatsApp d'ailleurs. Il y a un monsieur qui a commencé à me suivre, ça fait 6 mois aujourd'hui. Et 5 mois, je dirais. Parce que c'est en août qu'il a commencé à me suivre. Donc, quand il a commencé, il me dit qu'il est tombé sur mes vidéos un soir. C'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup, qui priait beaucoup. Vous là, que vous dites que je prie, je jeûne. Il jeûnait, il priait. Donc, il s'était marié. Je crois que ses enfants ont 3 et 2 ans. Et tout allait bien dans sa vie. Il invitait les gens chez lui. Il avait les barbecues tous les week-ends. Mais la grande sœur de sa femme et certains de ses amis étaient très jaloux. Donc, vous savez que quand vous avez des jaloux, on vous dit, vous ne croyez pas. Vous voyez un peu, non? Vous ne croyez pas. En l'espace de 3 mois, le monsieur a eu quoi? Sa femme est partie de la maison. Il a perdu son emploi. Ils ont perdu leur maison. Elle est partie avec les enfants, s'il vous plaît. Ils ont perdu leur maison. Ils se retrouvaient à dormir sur le canapé. Non, sur un lit gonflable. Un matelas gonflable, même pas le lit. Matelas gonflable dans le salon de son ami. Et il payait le loyer, s'il te plaît. Et c'est quelqu'un qui a une bonne profession. Ingénieur. Mais quand ça l'a frappé, il dit que même les gens qui venaient chez lui chaque week-end manger, boire, les gens là l'ont jeté comme l'ordure qu'on met dans la poubelle. Le voilà qui tombe sur mes vidéos. À 20h une nuit, il regarde, il regarde. Il m'appelle à 10h. Il me dit, j'ai regardé tes vidéos toute la nuit. À 4h avant de dormir, de 20h à 4h. À 4h avant de dormir, j'ai fait le bain de pipi que tu dis chaque jour. Et là, il est 10h. On ne voit pas les commentaires. C'est ici que ça s'affiche. Wilsef Apiania. Bonjour Angèle. Bonjour Pérez. Parfois Facebook montre les commentaires, parfois ça ne montre pas. Florence, bonjour. Il me dit, ça fait 6 mois qu'il cherche le boulot. Parce que quand il a perdu son boulot, il est parti travailler au champ. Son ami a un champ. Donc son ami a dit, ok, tu viens au champ, tu travailles, chaque jour que tu travailles, je te donne un peu le salaire que donnent aux ouvriers. Ça peut te dépanner. Donc ça avait l'argent qui travaillait au champ là, qui prenait ça, il essayait de payer le sol sur lequel il dormait. Il payait le quand les enfants viennent. Et il dormait au sol avec ses enfants. Donc le jour où c'est lui qui avait la garde des enfants,
Il dormait au sol avec eux. Ça, c'est en août, août 2022. Et quelqu'un qui a des diplômes, qui travaillait, qui n'a jamais manqué de travail dans son pays en Europe. Je ne nomme pas le pays parce que je connais que vos sorciers me regardent. Il ne faut pas qu'ils sachent ce que vous faites. Il ne faut pas qu'ils sachent. Bonjour, Anne Foster. Ren, bye bye. Ren. Ren, bonne journée. Hey, c'est elle qui a soulevé la main. Bye. Alors, on va marcher avec elle. Ren Foster, il faut que tu m'envoies ta photo. Je dois te laver. Je te fais le lavage. Je fais le lavage aujourd'hui, donc. Je crois quand même que j'ai ta photo. En tout cas, écris-moi, sinon je vais oublier. Parce que je dois te faire un lavage encore. Je sais pas. Je dois te faire un lavage. Donc, il me dit que il a se lavé au pipi à 4 heures pour la première fois. Et c'est quelqu'un qui me dit qu'il prie. Il jeûne. 4 heures, il fait son lavage. À 10 heures, il m'appelle, il me dit qu'il a eu deux personnes qui l'ont contacté pour le boulot. De ces deux personnes qui l'ont interviewé, il a décroché le même jour un boulot. Et le jour-là qu'il me parlait, il voulait que je cause avec lui. Je lui ai dit que tu n'as pas l'argent pour me payer. Pas regarder mes vidéos. Il me dit que même la consultation, je n'ai pas. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je donne son histoire comme ça pour que quand vous me regardez, écoutez, hein, en 2023, je rembourse. Tu viens, tu viens me faire gni, je te rembourse ton argent. Tu pars, porte tes démons, tu pars ailleurs. Porte tes démons, tu pars ailleurs. Je ne suis pas la seule personne qui travaille en ligne. Mais si tu m'écoutes et que tu penses que c'est moi qui vais faire ta chose, ne me mets pas la pression. J'ouvre mes yeux aujourd'hui, Pian. Je prends mon téléphone pour le direct. Je vois une femme qui est en train de me dire, oh, si tu vas faire mon travail, tu me dis. Elle a envoyé son agent, ça fait peut-être 8 jours. Je lui dis, ma chérie, je voyage pour faire les travaux une fois par mois. Si tu regardais mes vidéos, tu saurais. Et quand tu m'envoies ton agent, toi-même, tu dois commencer ton travail là où tu es. Vous voulez envoûter vos gars, vous venez me contacter. Je n'envoûte pas les gens. Hein. Je dois d'abord dire ça à quelqu'un, je ne sais pas à qui il parle, mais je n'envoûte pas les gens. Je n'envoûte personne. Et parfois, vous avez vos démons, vous partez, vous dérangez les hommes, ils vous fuient. Bon, revenons calmement à cette histoire. Je pense que ça vaut mieux pour nous tous. Vous serez surpris de voir ce qu'il y a dans mon inbox. Hein. Les gens vont venir ici, là, ils vont faire comme si je suis trop mauvaise là. Bon, voilà, monsieur, il part ce même jour. Il fait son entretien d'embauche. Le jour où on l'embauche. Quand il commence à travailler, il commence à chercher la maison. Donc, genre, le lendemain, il commence à chercher la maison. Il part visiter la maison avec le contrat de travail. Vous savez qu'en Europe, généralement, il demande tes payslips, c'est-à-dire tes payslips. Tes payslips, non. Tes relevés de paye. Il dit qu'il a trouvé la maison avec le contrat. Pas l'argent, mais le contrat. Pas les payslips, pas les relevés de paye, le contrat. Donc, au bout d'une semaine, il était passé au tribunal. Et au tribunal, normalement, si on adjugeait, il devait payer dans les 1500 euros le mois pour la pension alimentaire des enfants. 1500, 1700 euros. Je dis comme ça au hasard parce que leur monnaie est un peu bizarre, je ne connais pas convertir. Donc, il arrive au tribunal, il dit que le juge le regarde comme ça là. Il divise la somme en deux. Il dit voilà la somme que tu dois payer à ton ex-femme. Donc, il se retrouve avec la maison. Il se retrouve avec le boulot. Il fait comme ça. Après deux semaines, il m'appelle. Il me dit, ah, j'ai fait le beurre de pipi comme tu... Comme, donc, il dit que depuis le jour-là, donc depuis le premier jour qu'il a commencé le beurre de pipi, chaque jour, vous savez que les hommes n'ont pas les règles, non. Donc, il se lave au pipi chaque jour que Dieu a créé. Même s'il dort une heure et demie. Au bout d'une semaine ou deux, un autre employeur le trouve en ligne. Vient l'enlever de ce boulot-là, augmente la paye, l'envoie dans un autre boulot. Le supplie même que, pardon, laisse là-bas.
C'est comme ça qu'ils se retrouvent à une augmentation salariale dans le mois, dans les 30 jours. Quand vous allez quand vous bloquez, oh Seigneur, attendez, j'ai des choses pour vous. J'ai des choses pour vous. Après un mois et demi, il m'appelle en crânant. Il me dit, voilà, je peux maintenant te payer. Je ris seulement d'abord, je dis, il dit que je peux te payer, envoie-moi le premier kit. Il dit, n'est-ce pas, tu as l'argent? D'accord. Il envoie les sous, on poste son premier colis, il reçoit. Je crois qu'il a acheté le chapeau Ndoplay, un truc comme ça là. Il reçoit, il commence son travail. Il dit que dans son boulot, il a commencé à avoir tellement de faveurs. Parce que c'est quelqu'un qui bosse, un bosseur. Que même son employeur commence à le regarder, dit que, j'ai fait là, si quelqu'un vient te prendre ici, là, tu vas encore partir ailleurs. Comme j'avais pris ailleurs, là. Il dit que non, je suis là. Dédié à 100% dans son travail. Donc, il a acheté deux fois les kits en étant en Europe. Il a fait aussi de quoi? Il a fait des offrandes. Connexion veut me manquer de respect. Avant, bonjour Monica. Avant, quand il travaillait encore bien, sa vie allait bien, il chargeait les conteneurs, il envoyait au pays. Donc, quand les gens l'ont mis à terre, on s'est dit, il est fini. Au bout de 3 mois et demi, il me dit, je suis en train de charger le conteneur pour venir au pays. Il dit, hein? Que tu as cotisé l'argent de ça quand? Il me dit, je suis en train de venir au pays décharger mon conteneur. Il dit, le gars, il a la rage de réussir. Le voilà qui porte ces choses. Il est venu en mi-décembre. Bagarrer, sortir le conteneur, vendre. Donc, l'homme là, c'est un sorcier. Je ne sais pas comment il fait. Il a eu la chance que la période de l'arrivée au Cameroun. Il a marché chez moi à Makepe. Il est venu au moins 7 fois. Chaque fois qu'il vient, il a même bloqué parce qu'il m'a énervé. J'ai fait un travail pour lui. Il a commencé à me dire qu'il va te donner l'argent dans 2 semaines quand il va arriver au pays. J'ai dit que monsieur, je ne fais pas le travail que dit. C'est moi qui garde ton argent avant de faire ton travail. Ce n'est pas toi qui garde mon argent. Après, je l'ai bloqué. Si écoute ceci, il va savoir que je l'ai bloqué. J'ai dit que si tu passes au pays, ne me cherche même pas. Il arrive au pays avec le cadeau d'abord. Il vient me chercher. Je n'étais même pas au pays. Chaque jour, on me dit qu'il y a un monsieur qui est venu ici vous chercher, madame. Chaque jour. Le jour où j'atterris au Cameroun même, mes secrétaires lui disent, il vient. Il a fait poire autour de moi même 1 heure de temps. Après, il vient finalement dans mon bureau. Je lui dis que là où tu es arrêté, il dit que je n'ai fait moi rien. Il suppose que la leur, c'est. Si toi, tu le. Regarde comment j'ai commencé avec toi. Ça fait 4 mois. Regarde là où j'en suis. Si j'arrête maintenant, il va faire comment? J'ai travaillé sur ce monsieur. J'ai pris une journée de ma vie parce que j'ai dû me déplacer pour aller travailler sur lui. Après ça, je suis rentré. Ça, c'était la période du 20 ans bata l'orphelinat. Noël passe. Bonne année. Il rentre dans son pays. Hier, c'était le 4 ou le 5, je pense. Le 4. Il dit que depuis 10 ans qu'il est en Europe, il cherche les investisseurs qui vont venir au pays ouvrir des succursales. Il ne voit même pas l'ombre de quelqu'un. Il m'écrit le matin, il me dit, mamie, j'ai rendez-vous avec un aujourd'hui. Il m'a dit qu'elle ne te dérange pas, pas seulement. Il rentre le soir. J'ai fait le message dans le groupe des rois et reines là. Il dit que depuis 10 ans que je cherche un partenaire. Voilà ça que il m'a dit que le pardon. Il a eu réunion hier. Le partenaire a dit que 1er février on est au Cameroun. 1er février on est au Cameroun. Si tout se passe bien, fin février on lance. Vous n'avez pas encore compris certaines choses. Vous n'avez pas encore compris. Chaque malheur qu'il y a dans ta vie, écoute-moi bien. Chaque chose qu'il y a dans ta vie, ça fait que
Jusqu'à toi-même, tu sais que de ton côté, tu fais tout ton possible. Il y a quelqu'un qui est assis sur ça. Et quand il dit qu'il y a quelqu'un qui est assis, ça ne veut pas dire que tu vas croiser les pieds. Tu vas dire, oh, de toutes les façons, ça a toujours été comme ça dans ma famille. Il y a d'abord ta sagesse qui doit sortir. Deuxièmement, il y a le travail que tu dois faire. Et je vous dis encore, si vous ne faites pas, vos meilleurs amis connaissent les marabouts. Parfois tu es marié, ta femme connaît les marabouts, elle ne t'a jamais montré. Parce qu'elle connaît que c'est ce qui fait qu'elle te tienne. Elle connaît que c'est ce qui, c'est par ça qu'elle te tient. Dans ma jeunesse, j'ai connu un homme. Il était jeune, j'étais jeune. Moi, je ne connaissais pas encore les trucs-ci. Le gars avait une femme que quand ça n'allait pas, il appelle la mère. Il dit, mais attends, toi là, tu es jeune comme ça là, tu es dans les 19, 20 ans. Donc tu connais que si ça ne va pas, tu prends le téléphone, tu appelles une femme, tu dis que oh, je vais l'ouverture sur telle chose. Comme toi, tu es là, tu as 40 ans, tu me regardes, tu ne connais pas. On ne connaît pas ça chez nous. Hein. On ne connaît pas. Tu vas te mettre avec un homme. Donc, l'homme a grandi dans ça. Ça veut dire ça qui contrôle toutes ses ex. Et tu es maintenant, ça veut lui non. Ça veut dire ça qui te contrôle. Te voilà. Tu crois que c'est toi qui prie pour lui. Que vous êtes bête. Que vous êtes bête. Oh my God. Il ne parle pas de vos belles-mères. Il ne parle pas de vos belles-mères. Tu atterris dans une famille. Elle te dit, ma fille, ma fille. Et d'abord, ma fille là, dites qui que ce soit qui vous appelle ma fille, si ce n'est pas ta mère. Dis que je ne. Non. Tu commences à dire, écris sur la pancarte, tu mets sur devant ta porte que ne m'appelez plus ma fille, ne m'appelez plus ma soeur, ne m'appelez plus ma mère. Ma fille, tu sais que je suis simple, non? Parce que généralement, ces mères-là vous prennent dans leur famille quand vous êtes encore jeune et naïf. C'est comme ça qu'elle te prend, elle te manipule. J'ai mentoré quelqu'un, j'ai été le mentor, on va dire comme ça, pour quelque temps. Un jeune homme. Et je vous dis toujours que votre problème, c'est les choses qu'on met dans votre tête dans l'église. Le jeune homme vient, il fait comme si il écoute trop ce que j'ai dit. J'ai dit, fais comme ça, rapon. Pour tel problème, fais comme ça. Déjà, quand je rencontre, il commence à me poser des questions sur la spiritualité. On fait ça comment? On fait ça comment? Oui, pourquoi? J'ai dit que, je regarde ça, j'ai un peu pitié de lui. J'ai dit que bon. Avec l'enthousiasme, il prend deux kits. Il commence son travail spirituel. Et quand j'ai rencontré ce genre de personnes, quand tu le vois, il est talentueux. Tu sens qu'il doit avoir, il est censé avoir l'argent. Mais tu le vois, même l'argent du taxi n'a pas. Je dis que même mon employé, celui qui balaye la cour chez moi, il a plus d'argent que toi. Ça ne tique pas dans ta tête. C'est quel Dieu que vous dites que vous servez? Il est dans l'église tous les jours. Oh, et vous, je suis fatigué de votre. Je suis fatigué. Il commence à faire comme s'il écoutait trop. Maman, quand j'ai commencé le travail sur ce gars-là, les démons que sa grand-mère avait mis derrière lui, les cadenas. Et le truc, c'est que vous êtes toujours en train d'attendre qu'un jour Dieu va ouvrir mes portes. Je dis, mais c'est quoi? On va taper ta tête. Tu veux que je tape ta tête? C'est quoi ton problème? Vous êtes dans les églises et les pasteurs vous voient. Tu as un pasteur. Tu as quelqu'un que tu as. Il est dans ton église depuis 5 ans. Aucune ouverture.
Gars, je vais t'appeler, je vais te mettre faire asseoir dans mon bureau. Petit, tu es sûr que tu mets en pratique ce que j'enseigne? Hmm? Tu payes ta dîme? Tu fais tes lavages au sel? On t'a fait un lavage à distance au moins une fois? Est-ce que tu te laves le pipi? Tu vas voir au fond de ça que la personne ne fait pas. Vous venez seulement me regarder, vous regardez. Je ne me maquille pas parce que je ne veux pas que vous venez dire que oh, j'aime te regarder ton visage. J'aime regarder ton visage. J'aime regarder ton visage. Je regarde quoi sur mon visage? Regarde-moi pas te laver avec le sel. L'autre jour, une dame m'écrit. Oh, je me lave avec le sel avant de prendre tes produits. J'ai pris tes produits, je vais commencer lundi. Mais je me suis lavé seulement avec le sel. Pourquoi j'ai le. C'est comme si va avoir le palu. J'ai ri. Il dit que ton sel de cuisine, que d'abord, ça m'a fait, il fallait que tu m'écoutes pendant 6 mois avant de commencer à te laver avec le sel de cuisine. Là, tu crois que c'est la blague? Une autre, alors que sa soeur m'appelle hier, elle me dit, maman, ma soeur cherche l'enfant depuis des années. Elle a fait des inséminations jusqu'à... Elle a eu la grâce de tomber encore enceinte après 50 ans. Tu imagines? Chaque fois qu'elle tombe enceinte, ça sort. Je dis que voilà encore ça que l'enfant est sorti. Voilà, en décembre, c'est là, l'enfant est sorti. Et quand l'enfant est sorti encore, sa soeur lui dit, lave-toi avec le pipi. Elle dit qu'elle se lave avec le pipi. Elle a fait 3 jours à la maison sans sortir. Le palu qui l'a secoué. Elle dit que c'est là que tu connais maintenant. Comprends que la femme, elle est attachée jusqu'à plus. Parfois, vous restez, vous croyez que non, ma vie est... En tout cas, moi, il n'y a pas de problème. Hein? Vous pensez que je suis sur Facebook parce que j'ai une affaire le matin. Ce jeune homme qui dit qu'il a commencé, il est venu, j'ai commencé à le mentorer. Il arrive. Je le mets, il commence à travailler avec moi. Et quand quelqu'un travaille avec moi, je dis toujours, il y a des principes que je vous enseigne ici. Je dis à tous ceux qui travaillent avec moi que ce qui va vous sauver, c'est la pratique. Ne pense pas que les gens vont venir. Tu vas leur dire que, madame, allez vous laver avec le sel. Toi-même qui parles là, tu rentres chez toi, tu ne te laves pas avec le sel. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te trompes. Tu vois, quand il arrive avec l'énergie du départ là, au début, il te dit, oui, je fais, je me lave au sel. Je me lave au sel, je me lave. Tu vois, il commence à voir les petites ouvertures d'argent. Les petites faveurs. Petite faveur ici, petite faveur là-bas. Quelqu'un que tu l'as trouvé, même là, tu le voyais, tu sentais que même les babouches qu'il porte là. Que même le pantalon qu'il a celui-là, il a 2 pantalons, sûrement maximum 2 pantalons qu'il porte tous les jours de sa vie. Après, il reste une période. Je vois, il commence à devenir arrogant. Il ne porte plus les bracelets sur lui. Il y a les bracelets et les colliers, non. Il ne porte plus. Bouh. Non, ne viens pas sur moi. Tu as bien marché? Elle a fait caca. Voilà. Elle a poursuivi les gens. Chien. Chien. Chien blanc. Reine, qui te dit qu'on poursuit les gens? Tu es une villageoise. Ben, on va la déposer là-bas dehors. J'ai une chienne ici là qui m'amuse jusqu'à. Bonjour Yoru. Carole, bonjour. Anita, bonjour. Estelle, bonjour.
Je reste voir. Pendant les réunions qu'on fait, il commence à devenir arrogant. Après, il se cache en cachette. Il part dans son église d'avant là. Et je lui ai toujours dit que, je lui avais dit que moi, je ne t'empêche pas de partir à l'église. Mais je veux que tu t'asseyes et que tu fasses le bilan de ta vie. Commence par arranger ta chambre d'abord, jeune fille. Tu comprends? Oui. Je lui dis que fais le bilan de ta vie. Tu pars à l'église depuis combien d'années? Regarde, donc, tais-toi. Fais la contrepartie. Tu vois qu'est-ce qui a avancé dans ma vie. Qu'est-ce qui n'a pas avancé. Maintenant, tu es arrivé ici chez moi. J'étais pris sous mon aile. En quel mois? D'accord. Quand il a commencé à partir dans ces endroits-là, vous connaissez ce qui se passe dans vos endroits, dans vos églises-là. Premièrement, on a commencé à lui dire que je suis une sorcière. Que je suis une sorcière, que je veux l'utiliser ou bien le dérouter. Je ne sais même pas trop quoi. Tu prends quelqu'un, tu lui apprends qu'il est roi. Tu mets la couronne sur sa tête. Tu lui montres qu'il mérite. Parce que le truc, c'est que pour vous, hein, personne ne vous déteste. En fait, je ne comprends pas. C'est comme si vous êtes dans Alice au pays des merveilles. You're like Alice in Wonderland. Your mind, you're not thinking. Mais là, ne restez pas en cachette dans ces trucs de prière là, la nuit. Le lendemain, tu le vois, il a changé. Je lui dis qu'il y a un esprit bizarre. Il y a quelque chose sur toi. Je ne sais pas encore quoi, mais ne te dérange pas. Il go comme. C'est comme ça que tu vois, il commence à avoir les problèmes avec tout le monde. On l'enlève les responsabilités que je lui avais données. Je me lève un matin, on se lui dit que je t'enlève de là. Chaque fois, c'était la bagarre, c'était bizarre. Un jour maintenant, je découvre. On s'assoit, on parle. Avant qu'il ne parte. Il commence à me dire... Les ancêtres que tu appelles là, c'est les qui? Pourquoi tu fais, quand tu fais avec la Bible? J'ai commencé à rire. Je demande que, pourquoi vous aimez les fables au lieu des preuves? Moi, je travaille avec les actions. Et ce qui m'a délivré de l'inertie de l'église, j'ai commencé à demander à Dieu que si tout ce que je fais, c'est tout, donc s'il n'y a rien d'autre à côté, que mes choses marchent. Parce qu'il part du principe que si je vois une porte qui est fermée devant moi, quelqu'un prend la clé, il me dit, ma chérie, donne-moi tout ce que tu as, tu prends la clé ici. Ça, c'est la clé de la porte là. Et derrière la porte là, il y a ton héritage. J'ai 100 000 sur moi. Je prends, je donne à la personne. Est-ce que je dois attendre 10 ans pour que la porte s'ouvre en ayant la clé? Posez-vous les bonnes questions. Tu mets sur la porte, tu tournes, ça n'ouvre pas. Tu retires, tu changes le sens. Tu tournes, ça n'ouvre pas. Peu importe les paroles que la personne va te dire. Si c'était la clé de la porte, là, ça devait ouvrir. Je veux que la bêtise sorte de votre tête. Arrêtez la bêtise. Arrêtez la bêtise. Voilà 2023. Tu as commencé à te laver avec le sel vers juin, juillet ou bien août de l'année passée. Tu as encore tout arrêté.
J'ai dit à la personne que je n'écoute pas moi les pasteurs en ligne. Je sais que vous allez m'écouter, vous allez partir écouter 50 autres personnes. Et c'est ce qui vous ralentit. Arrêtez de chercher les gens qui vont vous interpréter la Bible. Arrêtez de chercher des personnes qui vont vous expliquer comment. Prends toi-même la Bible. Prie, jeûne, fais ton lavage. Au sel. Dieu va te répondre comme tu as demandé. Parce qu'il dit à la Bible, demandez et vous recevrez. Je prends le cas de cet homme qui m'a dit que qui a perdu son boulot, perdu son mariage, perdu tout. Il me dit, je jeûne et je prie depuis des années. Mais depuis que j'ai commencé à mettre en pratique ce que tu montres à tes vidéos, je sens que mon destin ne dépend plus de quelqu'un là-bas dehors. Il dit que je sais que j'ai des ennemis. Mais je n'attends plus qu'un ennemi vienne me gifler à gauche, gifler à droite. Parce que c'est ça votre problème. Pauline, bonjour. Stéphanie, bonjour. Marie-Laure, bonjour. Bonjour, mes réveils. Ce jeune homme dont je parlais, je l'ai laissé. Je le retrouve 2 mois plus tard. Il le retrouve. Il est rentré dans ces mêmes... Donc, il a été chercher le même boulot qu'il faisait avant. Des blocages sur lui partout. Il demande encore l'argent. Donc, tu lui dis, ok, tu peux faire tes... Il n'est pas l'argent. Je prends l'argent où? J'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh. Vous aimez les fables. Vous aimez les fables. Vous arrivez. Parce que votre... aïe, aïe, aïe. Parce qu'il faut que tu aies l'approbation de ton homme de Dieu. Tu vois que ce que tu fais depuis ne marche pas. Tu continues. Parce que tu as peur de ce qu'ils vont dire. Tu ne sais pas que ta grand-mère, la mère de ton père ou de ta mère là, ta grand-mère tradit patricienne là, tu ne sais pas que la mère là, depuis que tu as 2 ans, elle tire ton énergie. Écoutez, il y a des familles qui... Vos pères, mères et grands-mères ont le sang à l'œil. Tu es là comme ça, tu n'avances pas. Ils connaissent ce qu'ils ont fait. You're struggling. Tu souffres. Ta mère, elle dort chaque jour. Tu commences 1, 2. J'ai une fille qui est venue fois. Elle vient prendre un kit de 70 000 au Gabon. Je dis, oh, waouh. Elle me dit, maman, comme tu me vois là. Je fais partie des petites personnes qui nettoient l'église. Je pars à l'église faire les prières du matin. Tous les jours, 6 heures, je suis à l'église. Quand je suis tombée sur tes vidéos, j'ai d'abord commencé avec le sel. Un matin, j'ai dit que je dois faire le pipi. Dans la journée, je me suis lavé avec le pipi. Je reste en journée, je demande l'argent à 5 personnes. Tous les 5 personnes m'envoient l'argent. Elle avait demandé 5 000. C'est là qu'elle commence à dire qu'elle a fait cela. Après, je dis à ma copine. Ma copine fait le jour là. Il y a quelqu'un qui devait de l'argent depuis au moins 3 mois. Elle arrive dans la boutique de la personne, elle demande. La personne sort immédiatement l'argent, lui donne. Et mes papiers que depuis des années que je suis ici au Gabon, j'essaie de partir en Europe, ça ne marche pas. Voilà ça que j'ai 2 opportunités qui sont présentées.
Donc, je suis en train de passer à l'ambassade le 20 décembre. Ma chérie, si j'ai eu ton visa, il faut m'appeler pour me dire, c'est que vous avez vous c'est que. Parfois, vous pensez que vous n'aurez plus besoin de moi. Même faire le témoignage, vous ne revenez pas faire. Donc, elle venait vous appeler le kit parce qu'elle disait que je dois faire mon travail, je dois faire mes 7 jours de jeûne avant de partir à l'ambassade le 20. J'ai parlé avec une dame ici l'autre jour. Elle me dit, l'année passée, j'ai fait ce lavage, je l'ai lavé au moins 3 ou 4 fois. Et quand elle se demandait le lavage, elle voulait les papiers. Elle dit que la grossesse, elle avait tellement essayé de concevoir, ça ne marchait pas. Donc, elle, dans ses prières, elle ne demandait même pas l'enfant. Je fais ce lavage, elle tombe enceinte. Elle ne m'appelle pas pour dire qu'elle tombe enceinte. Elle ne fait pas le témoignage. Restez avec vos témoignages. Parce que vous avez peur que quand vous allez venir dire, les gens vont voir et dire, ah non, ce qu'elle fait marche. Ne vous dérangez pas. Et elle-même, elle me parle de sa copine à elle. Je me rappelle clairement de cette copine-là. Elle dit qu'elle avait beaucoup faussé la fille-là pour la convaincre. Quand la fille m'a contactée, elle n'avait pas de papier. Elle n'avait pas de boulot. Elle était aussi comme ça là. Je me rappelle très bien d'elle parce que sur la photo qu'elle m'avait envoyée, elle avait un foulard. Elle était comme une pune du Osa qui est ménagée quelque part. Quelqu'un qui est aux États-Unis. Elle dit que c'était chaud sur elle. Et je crois qu'elle voulait aussi la grossesse. Elle et son fiancé cherchaient l'enfant depuis. Elle travaillait sur la femme là. Et je me rappelle, son travail était bizarre parce que chaque fois que je prévoyais de travailler sur elle, il y avait son truc qui bloquait. Donc, j'ai fait le travail. Elle a eu les papiers. Et apparemment, elle me mentait, même si elle n'a pas déjà accouché. Je crois que c'est comme si elle a accouché dans les jours qui sont passés là. Quand elle finit le travail de la femme, elle ne m'a plus jamais recontacté. C'est celle-là qui me dit la semaine passée. Oui, j'ai ma copine, elle décrit sa copine. Je dis oui, je me rappelle de celle-là. Elle dit oui, elle avait les papiers. Oui, elle avait l'enfant. Elle avait, je dis ok. Parce que parfois, vous pensez que dès que tu as les papiers là, c'est fini. It's not all, ma chérie. It is not finished, ma chérie. Tu compris? Moi, vous rire seulement, comme on dit. Je ris. Michel, tu dis que dans le direct, j'ai parlé de ton père. Bonjour, Cécile. Bonjour, Carole. Judith, bonjour. Elisabeth, bonjour. Moi, quand je parle dans mes vidéos, c'est sous inspiration divine. En 2023, on est plus bête. J'ai une de mes filles. Oh, vraiment. Parfois, vous-même, cela, vous me faites pitié. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire pour vous. Elle est tombée sur ma page en novembre 2000. 22-1. Et c'est le genre de femme que elle a une page en ligne. La page a la visibilité. Elle a, le genre de personne qu'elle a peut-être 70 000, 80 000 abonnés. Mais elle fait le direct, elle a 500 vues. Elle vend les produits. Pff, on ne regarde pas. Elle a un magasin au pays. Le genre de magasin bloqué, bloqué. Elle était même la tisa d'un gars qui a les dos là. Parce qu'elle même est mariée. Je vous prends quand vous venez. Elle est mariée, non. Mais elle était la tisa d'un autre Joe là. Qui a les dos. Même l'homme là, on l'avait bloqué aussi pour que l'homme ne lui donne pas l'argent. Donc elle me contacte. Elle est dans une impasse. Elle est carrément chimie. Je m'amuse. Elle est tellement bloquée financièrement. Je m'en rappelle pour faire son premier lavage. Qui était 25 000 en novembre de 2021, elle a cotisé l'argent même 3 semaines. Elle vient bien. Elle envoie. Elle commence. Elle prend les donne-moi tout. Janvier, elle fait encore l'autre lavage. Février. C'est comme ça que les décepticons de sa vie s'augmentent. Ils se découvrent un à un. Un à un. Un à un. Les gens qui l'avaient bloqué, les aveux, les ceci. Un joueur se lève comme ça, il fait un direct. 250 000 vues. Les commandes commencent à venir. L'argent commence à entrer. Un jour, même une de ces décepticons lui fait le message.
N'est-ce pas, tu as compris. Voilà ta page en ligne, non? On va voir comment tu auras les vues. On lui a dit hora. On va voir comment tu auras les vues. C'est cette même personne que je vous ai dit un jour que elle avait son pote, elle voulait payer sa dîme. Elle a fait des ventes. Elle avait l'argent dans son salon, dans le porte-monnaie, au salon de la maison. Un clochard arrive chez elle, entre dans la maison, laisse tout ce qu'il y a dans la maison, pas prendre son sac, retire le porte-monnaie dans le sac, sort pas. Ça, c'est à quel point les finances de cette femme étaient attaquées. Elle prie, elle prend le domato, elle met sur sa langue, elle déclare. Deux jours plus tard, quelqu'un ramasse le porte-monnaie en route. Sans argent, bien sûr. Il revient de me remettre tous ces documents. Tout ce, tu sais que dans ton moment, tu as tes cartes de crédit, tout ça là. Tout était encore dedans. Vous connaissez les cartes que là-bas, pour recommander ça, ça va te prendre un mois. Il reprend. Elle fait le témoignage, elle dit, maman, on m'a calculé. Et tout ça, je ne blague pas. Elle est venue au pays, je crois au mois de novembre, octobre-novembre. Oh là là. Elle a même changé le local. Elle a inauguré, elle est rentrée en Europe, elle a ouvert un nouveau local. La faveur qu'elle a eue sur le nouveau local, là, c'était le Helele. Tu prends un local, le bailleur te dit que fais deux mois sans payer, tu payes le troisième mois. Il te diminue le loyer, il t'enlève encore deux mois. Elle reste là toujours. Elle a un petit truc qui touche son œil ici. Là. Deux semaines et demie plus tard, elle m'envoie la photo. Tout son visage est couvert de taches noires. Tout son visage. Elle dit que bagarre seulement dans les rêves maintenant. Je lui dis que ma chérie, depuis au moins trois mois, tu ne fais plus de travail spirituel. Même la dîme que tu payais, tu as arrêté. Tu penses que ton évolution qui était visible déjà là, tu crois que les gens sont contents? Donc, elle me dit, maman, je suis à terre. Ouais, vraiment. Même l'argent pour le lavage, je n'avais pas. L'autre jour, ma voiture est tombée en panne. Seulement pour remorquer et arranger 1000 euros comme ça, parti. J'ai dit, c'est bon, tu commences à comprendre. Le truc, c'est que ne tombe pas dans le piège de croire que le travail que tu es en train de faire, les jeunes que tu te tapes tout le temps là, les lavages que tu fais, tu mets le sel, tu mets le deux mois tout, tu mets les ceci, tu simplifies. Tu ne connais pas la quantité de démons que ça enlève derrière toi. Can you close that door, please? Tu ne connais pas. Tu prends ta petite huile de blindage là, tu mets sur toi, tu simplifies. Ah, c'est seulement l'huile, non? C'est seulement l'huile, non? Tu parles. Elle a laissé, non, deux mois et demi, trois mois là. Elle-même, elle a confirmé le code. Il dit que quand j'ai vu sa photo, j'arrivais pas à croire. Il dit, maman, ton beau visage là. Non, tu sais, j'avais voyagé, j'étais dans de l'autre côté de la ville, j'étais chez les gens, je ne pouvais pas faire. Ne blaguez pas, ne tombez pas dans le piège de, je suis chez les gens, je n'ai pas, il n'y a pas la courtoisie. Quand on veut t'attaquer, ils ne sont pas courtois. Chimie, c'est ça que tu parles un peu comme ça. Que le sommeil spirituel, même si tu vas sleepwalk, if you have to sleepwalk in order to go and do your work. Parfois, il y a des jours où je suis tellement fatigué, je tombe sur le lit comme ça là. Je dis, je dois aller faire moi. Tu vois? Après, tu te sautes une heure, tu sautes à une heure. Tu n'as pas fait ton lavage. Alors, viens dormir.
Parce que j'ai déjà compris, hein. J'ai déjà compris. Je vais maintenant aborder quelque chose qui est crucial pour vous. Pour payer la dîme en Côte d'Ivoire, on a un numéro en Côte d'Ivoire sur la page. Si tu regardes, tu peux le voir. Si tu as de quoi noter, je peux te donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Je vais regarder sur la page. C'est sur la page, vraiment. Mais voilà, même un poste sur la dîme, là. On a posté ça hier. Comment payer sa dîme? Voilà ça. Attendez, je cherche le numéro de la Côte d'Ivoire, je vous donne. Côte d'Ivoire, plus 225 05 01 49 05 95. Donc, plus 225 05 01 49 05 95. Ma chérie qui demande, c'est sur la page, vraiment. C'est sur la page. Donc, si tu pars, tu regardes les vidéos, tu déroules un peu les vidéos, tu vas voir ça. Et voici ce que j'allais vous dire. Si vous pensez que tout le monde vous aime, vous avez parfois les foyers polygamiques. Parfois, c'est pas polygamique, mais ton père... Attendez, je vais d'abord vous passer parler de cette fille. Je consulte cette jeune fille l'autre jour. Elle est dans un pays là-bas en Bénin. Je ne veux pas nommer vos pays parce que je sais que vos démons là, ils sont sur ma page. Ils me suivent aussi. Je suis célèbre. Les agents du diable me regardent. En même temps que vous, ils me regardent aussi. Donc, voilà, la fille me raconte son histoire. Elle me dit, quand elle est née, elle avait peut-être 2-3 ans, son père et sa mère sont séparés. Sa mère est quittée, partie, elle a laissé 5 enfants dans le foyer. 5. Et elle que sa mère est partie, elle a essayé de faire ses papiers, elle est partie en Bénin. Et quand on entend qu'on parle de sa mère, elle dit, ah, la mère là, elle est neuf. Chaque fois que tu lui parles, elle dit seulement qu'il y a des gens qui sont derrière elle. Qui a les sorciers. Tantôt, elle accusait mon père. Après, elle accusait sa propre soeur. Ah, la mère, là, elle se plaint trop de tout le temps qu'il y a les sorciers qui la dérangent. Elle raconte l'histoire de sa mère. Je ris. Je dis, ma fille. Une femme ne peut pas se lever. Elle laisse 5 enfants dans un foyer. Et elle ne part pas pour jouer un homme. Elle part seule. C'est la manque de quelqu'un sur ça. Et si cette personne a agi sur ta mère, ma chérie, ne te dérange pas. Toi-même là, ta personne a agi sur toi. Je vous donne souvent vos sujets de bêtises. Vous êtes souvent bêtes. L'eau qu'il y avait là-bas dedans, tu as fait quoi de ça? Pourquoi? Je vais travailler avec. Pardon, va travailler, va faire ton travail. Je lui dis à la jeune fille, vous avez voilà les ennemis que vous avez dans votre vie, les tantes, les femmes de vos pères et les belles-mères. Ça vient dans toutes les tailles et toutes les formes, tous les degrés de méchanceté. Comme on dit, in all shapes and sizes. Les tantes, je les mets en premier parce que les tantes, tu connais, elles ne blaguent pas. Tu es là comme ça, tes choses n'avancent pas. On a endormi ton père, on a endormi ta mère. On est en train de sucer ton énergie tous les jours. On prend. Il y a une jeune fille qui m'a dit que quand elle était jeune, elle avait un pouvoir d'attraction tellement fort que elle avait une tante qui aimait trop qu'elle vienne chez elle en vacances.
Sa tante, elle a la mettait dehors, dans le magasin, là, non. Sa tante lui donne les bonbons, elle a fait s'asseoir devant, sur la chaise. Le jour, là, les gens, les clients vont venir jusqu'à... Si tu as une tante qui a remarqué que à 7 ans, tu as déjà les clients chez elle. Est-ce que tu veux savoir ce qu'elle a fait d'autre sur toi? Oh, vous êtes encore gentil. Même Jésus lui-même, Jésus n'est pas mort de mort naturelle. Jésus n'est pas mort de mort naturelle. Ce sont les gens qui ont tué Jésus. Et Jésus faisait du bien aux gens. Tu penses que tu es qui? Pardon, j'ai envie d'éclater de rire. Yeah. Je ne fais du mal à personne. Moi ici, moi simple. J'aime tout le monde. L'autre me dit tout l'autre jour que j'ai une tante là. Elle fait du mal à toute notre famille depuis des années. Maintenant, l'autre jour, je suis allée la voir. C'était en début de l'année 2022. Je suis allée la voir pour lui demander pardon. Tu veux faire une trêve avec le diable. J'ai dit, ma chérie, c'est parce que je te consulte au téléphone, c'est que tu es giflé. Tu es bête. On ne négocie pas avec le diable, on deal avec lui. Tu coupes sa tête. Dans le film, dans le rêve, tu ne vois pas seulement comment tu dors. Tu rêves qu'il y a des gens qui sont entrés dans ta maison. Après, tu les as tapés, tu as coupé leur tête. Quelqu'un vient prendre ton enfant, tu coupes sa tête. Quelqu'un dit, ma chérie, est-ce que tu négocies avec quelqu'un qui vient pour t'arracher tes choses? Elle me dit non. Je suis allée la voir, je lui ai dit que voilà, tata, si je t'ai fait n'importe quoi, pardonne-moi. Après, je lui demandais que bon, ok. Comme tu as demandé alors, est-ce que ta vie va mieux? Quand tu fais comme ça, là, elle connaît déjà que, ok, quand tu vas sortir de sa maison, elle va appeler son marabout. Certaines de vos tantes, ce sont elles-mêmes les marabouts, et vous ne savez pas. Elles-mêmes, ce sont les vraies sorcières. Elles n'ont même pas besoin d'appeler quelqu'un. Vous avez des tantes qui sont carabas. Elles sont les présidentes des associations des sorcières. Votre village, vous ne savez pas. Dès que tu sors de sa maison, elle dit ha ha ha. Avant, tu es bête. Tu es bête. C'est comme ça que j'ai tué ta mère. Quand elle parle comme ça, je me lâche de pour la méchanceté des gens. C'est comme ça que j'ai tué ta mère. J'ai gâté le mariage de ta mère. J'ai fait ta mère, vous a élevé ici seule. Il est tué à 35 ans. Donc voilà, tu tournes comme une folle depuis. Tu as 25 ans maintenant. Tu es comme une orpheline. Folle même. Tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Tu peux négocier avec ta tante. Que tout le monde dans la famille connaît que c'est une sorcière. Dès que tu sors de sa chambre, de son bureau, de sa maison, ma chérie, dès que tu sors, elle va aller visser ce qu'elle avait mis sur toi. Parce qu'elle sait que toi, tu ne vas pas sortir et partir faire quelque chose. Mais elle, ça lui donne l'accès qu'elle voulait depuis. On ne négocie pas avec les démons de sa vie. On deal avec eux. Tu parles des boules de cristal comme ça là. Elle n'a même pas besoin de checker votre statut WhatsApp. Hein. Tu viens de rencontrer un nouveau gars, ça fait une semaine. Ou bien tu es tombé enceinte, ça fait 6 jours que tu as découvert que tu es enceinte. Elle t'appelle. Allô, ma fille. Tu sais que tu es ma fille, non? Je fais souvent les sketchs. Hein. Il faut que je fasse encore les sketchs de tante Konzi. Tu sais que tu es ma fille, non? Vraiment. Voilà, il y a les tante Konzi qui savent que tu es partie en Beng avant leurs enfants. Elles vont vouloir que tu prennes leurs enfants chez toi. Ne prenez pas vos cousins Ticone chez vous. J'ai dit que quoi? Alors, écrivez ça en commentaire ici là. Monsieur Martial, bonjour.
Si tu vois ta tante, tu passes. Oh yo. Et c'est comme certaines de mes tantes me suivent, non? Je vous salue. On n'a pas de numéro. Je n'ai pas votre numéro, vous n'avez pas mon numéro. On se connaît déjà. Je ne viens pas à vos événements. Je n'organise même pas d'abord d'événements. Donc, ce n'est pas comme si j'avais dit que vous n'êtes pas venu à ma part. L'univers du bien-être, il y a le serpent chez toi. Tu pleures alors pourquoi? Va couper la tête du serpent là. Voilà, que qui peut t'épouser avec ton gros corps? Voilà, tu t'es marié, on l'a informé seulement, non? Vous ne connaissez pas comment dealer avec les sorciers de votre vie. Ma fille chérie. Tu vois, souvent quand elle dit que ma fille chérie, comme ça, ça fait un jar dans ton corps. Je sais pas, moi j'ai trouvé en tout cas, toutes mes tanticônes que j'ai vu leur vrai visage. C'est des gens que même quand j'étais petit, je n'aimais pas partir chez eux. Il y avait toujours un truc là que je n'arrivais pas à détecter. C'était toujours un genre. Tu vois, quand tu... Mais tu vois, quand tu n'es pas encore... Je sais pas comment dire. S'il y a un truc qui me plaît sur mes propres vidéos, c'est que... J'ai commencé à comprendre que ce que je ressentais depuis là, no be lie. C'était pas le mensonge. C'était pas le mensonge. Et si tu penses que c'était le mensonge, je sais que tu es encore bête. Oui. Rose Davina, tu vas voir que ta vie sera meilleure encore. Quand tu réunis ces gens-là, t'as... Oh. Rachel, tu as bien dit, on ne prend pas les cousins ticons. Il y a les cousins ticones, il y a les femmes de vos pères là, leurs enfants. Vous me suivez? Vous me suivez? Il y a un truc dans les femmes qui arrivent après nos mères. Il y a un truc en elles, dans leur ADN, dans leur moelle épinière, qui fait qu'elles et leurs enfants ne t'aimeront jamais. Quoi, tu fais, monte, tu descends. Va faire tous les jeûnes et les prières. Tu vas voir. Et cette méchanceté ou cette jalousie, ça va s'étendre jusqu'à même 3 générations. Ton père t'aime trop. Wow. Ton père est trop gentil avec toi. Wow, ton père tolère trop tes caprices. Wow. Et comme c'est maintenant elle qui est la femme, beaucoup de ces femmes-là ont mis vos pères dans la boîte. Parfois, tu as les enfants avec une femme, avec un homme. Vous vous séparez. Et la séparation-là n'était pas normale. Peut-être la mère de l'homme t'a toujours aimé. Toujours. Plus tard maintenant, l'homme reste. Il y a une dame qui me disait ça, non. Dans la consultation, elle me disait qu'elle ne comprend pas vraiment. Qu'elle a un enfant avec un homme là. L'homme là la prend comme les caca. Quand il vient dans la voiture dehors, l'enfant sort. Il ne veut même pas la sentir. Parce qu'il y a des gens qui savent que l'homme si là. Tu étais vraiment sa personne. Quand elle arrive, elle travaille l'homme là. Elle travaille sur lui. Écoutez, il y a les jeunes filles de 20 ans qui connaissent que je pars chez le marabout, je donne la photo de mon gars. Voilà un nouveau gars que je viens. Ils viennent souvent me demander des choses comme ça, non? J'ai rencontré un homme. Je veux qu'il obéisse, il fait tout ce que je veux. Je veux que j'ai. Tu vois la fille à 25 ans. L'univers du bien-être, si tu es au Cameroun, tu me dis. Tu écris, tu leur dis que tu as vu sur Facebook. Il y a un produit qu'on va te donner, tu vas verser dedans. Deux produits, en fait.
Parce qu'on vous dit, vous ne travaillez pas dans vos maisons. C'est comme ça. Dans le kit fondation, il y a des produits contre ça. Te voilà. Te voilà. L'homme là que tu t'avais aimé pendant même 5 ans à 10 ans, il ne veut plus te sentir aujourd'hui. Parfois, c'est sa mère qui a travaillé sur lui. Tu crois qu'elle fait comme ça sur lui, tes enfants là? Puisque c'est elle qui sera à la maison avec lui, non? S'il a un terrain quelque part, s'il a un business qui commence quelque part, elle va dire, chérie, mets le nom de mes enfants. Et comme l'homme n'est pas très rusé, l'homme n'a pas le temps, parfois il est fatigué, il sort avec bagage, il bagarre tellement pour avoir l'argent que c'est la femme qui est derrière, qui est comme le serpent. Comme Rebecca, non, la mère de Jacob. Déjà, la mère de Jacob, la mère de Jacob et Esaü, oui. Isaac, lui, il était bête, il était seulement là, il se couchait, il se mangeait là. Isaac dit, je vais bientôt mourir. Même comme il n'est pas mort avant au moins 15 ans. Oh, je dois donner la bénédiction. Elle avait son enfant préféré. Et ce sont les enfants qui sont sortis de son ventre. Si une femme peut faire ça sur ses deux, écoutez la Bible, lisez la Bible avec la sagesse. Si une femme peut manipuler l'héritage qu'un homme veut donner à son enfant, et c'est l'enfant de la femme là, combien de fois toi qui n'es même pas sorti du ventre de la femme? Moi, je ne sais pas ce qu'ils vous font. Je ne sais pas moi. Moi, je ne sais pas. Mon Dieu, mon cage. Cage, tiens. Te voilà. Tu dis, ce sont mes frères, non? Les choses qu'elle dit sur toi, ses enfants. Parfois, met l'esprit de compétition entre vous. Ce sont tes petits frères, mais ils n'arrivent pas à t'aimer sincèrement. Et quand tu arrives chez elle, moi, en tout cas, dans ma situation, elle ne blaguait pas, elle me disait cash. Au moins, celle-là, elle ne cache pas ses choses. Elle me disait cash. Et comme tu es ici là, ça c'est mon territoire. Je veux en fait qu'un. N'attendez plus. Je veux quand je parle dans mes vidéos, je veux que tu restes comme ça, tu collectes, tu fais ton inspecteur Colombo. Tu fais 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Ok. Ça, d'accord. 6. Si on traduit 6, ça veut dire que ça signifie quoi? 6 moins 2 plus 4. Ça fait 8. D'accord. Ma calcule, ma plan dans ta tête toi-même. Et quand je vous parle comme ça, c'est Ariane Gansop. Comment est-ce que tu ce qui fait que tu ne vas plus dépenser ton énergie pour faire plaisir aux gens. Tu ne vas plus ouvrir ta maison à n'importe qui. Tu ne vas plus dire tes projets à n'importe qui. Tu ne vas plus faire l'idiote parce qu'il y en a parfois, ils envoient même vos petites soeurs pour faire les espions sur vous. Allez en vacances chez votre soeur. Allez, non, quittez Paris, vous partez la visiter à Bruxelles. Ils arrivent à Bruxelles, ils regardent, ils disent Parfois, ils arrivent comme ça, là, qu'ils ont la bombe qui vient déposer chez toi. On dépose, ma chérie, tu as 3 semaines pour que ton foyer se gâte. Tu commences à pleurer. Je n'ai fait du mal à personne. On te parlait, tu disais que tu maîtrises, non? Maîtrise. La maîtrise, la maîtrise. 100% Batoufa, mais... Ouais, ok.
Et beaucoup de ces personnes-là, c'est dans leur avantage. Quand tout vous disent que non, je laisse tout à Dieu. Seigneur, juge mes ennemis. Seigneur, tu ne fais rien. Tu es là, on dit, tu ne fais pas ça. Pour toi, tu crois que tu es censé arriver en bain. Tu fais 5 ans avant d'avoir un papier. Tu as accepté le ralentissement dans ta vie. Donc pour toi, c'est normal. Dès que tu as un petit truc comme ça, tu ouvres tous tes pieds, tu te montres aux gens. Tu fais le gâche, quoi. Tu finis de bavarder, tu dis que, ah, qu'est-ce que moi j'ai fait comme ça là? Mais il y a trop tard, ma chérie. Tu as tout bavardé. Ismaël, que le simpletonisme peut être le titre d'un bon livre. Ah, mais ça, c'est bien, merci. Les bienfaits, non, les conséquences du simpletonisme. Ouais. Et tu mets en sous-titre, comment j'ai raté ma vie parce que j'étais simple. Comment j'ai raté ma vie parce que j'étais simple. On dit faites le travail spirituel. Protégez-vous. Lavez-vous. En décembre, je vous ai fait écouter juste les 3 premières minutes d'une délivrance que j'ai faite. C'était une jeune fille qui est venue. Belle. Ventre plat. Les seins encore bien debout là. Elle n'a pas, tu sens qu'elle a, elle a encore clean. Elle arrive dans mon bureau. Dès que son pied a touché la chambre de mon bureau, comme ça, là, la pièce de mon bureau, son, elle commence à faire comme ça là. Elle commence à faire comme ça là. Elle fait comme ça là. Je regarde comme ça là. Je dis que. Un autre démon qui est venu. Ok. Je vais dire là avec toi. Il m'a dit que ma chérie, sors, tu m'attends dehors, j'arrive. Je vous avais dit, je vous ai dit, dans la vidéo, vous écoutiez, j'ai fait écouter le truc. L'esprit qui l'a dérangé, c'était sa tante. La petite soeur, même père, même mère de sa mère. Sa tante explique que elle a déjà vendu ses propres enfants. Donc ses propres enfants, elle-même, elle a déjà vendu. Voilà. Maintenant, la tante dit que elle avait elle a gâté le mariage de la mère de cette jeune fille. Elle a bloqué les finances de la mère de cette jeune fille. Bloqué les finances de cette jeune fille en elle-même pour que la fille ne déménage pas de la maison familiale. Et elle veut que la fille reste dans la maison familiale parce que elle était venue enterrer les fétiches dans cette maison. Donc la fille est comme ça chez sa mère. Parce que le père est mort. Dans la maison où ils vivent chaque jour comme ça, là, on a enterré les choses. Et elle dit, elle a bloqué son intelligence pour qu'elle n'ait même pas le doctorat. Dans son école, c'est bon comme ça. Elle ne veut plus qu'elle fréquente. Elle dit encore que elle a bloqué son ventre. Tu bloques le ventre d'une jeune fille de 25 ans. Hein. Que si elle accouche, elle va accoucher les jumelles qui sont brunes. C'est une fille noire de peau.
que si elle conçoit, elle va accoucher les belles jumelles, elle ne veut pas. Je dis, mince. Elle a bloqué son gars qui est en bain, qui est censé venir l'épouser pour faire ses papiers pour qu'elle monte. Ça aussi, elle a bloqué. Elle dit que le gars est trop riche. Que le gars l'aime trop. Une mère. Si la fille a 25 ans, ça veut dire que la mère est dans les 45, 50 ans. C'est même pas comme si le gars va venir épouser la mère ou bien... Et elle dit qu'elle la bloque parce que elle sait que si elle ne la bloque pas et que la fille devient bien, elle va tirer sa mère. Donc en fait, elle ne veut pas que sa grande soeur soit bien. C'est pour ça qu'elle a tenté de gâter la grande soeur, gâter les enfants de la grande soeur. Les gens sont mauvais, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais, moi je vous dis. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Tu vas voir la jeune fille comme ça là. Du jour au lendemain, elle n'a pas d'argent. L'argent est dur. Elle dit, c'est moi qui ai bloqué son argent. Que j'ai bloqué son argent. Tu vois, la fille souffre. Quand la fille est venue, j'ai dit, mamie, c'est bien comme tu as trouvé. Et dès que je commence d'abord, l'esprit dit, on l'a empêché de venir ici. Hein? On l'a empêché de venir ici. C'est sa grand-mère qui a fait qu'elle vienne ici. C'est sa grand-mère qui l'a amenée ici. Cette grand-mère est déjà morte. Dans le monde des morts, la grand-mère est en train de se battre pour que sa petite fille trouve une porte de sortie. Parce qu'elle sait que la mère de la fille, déjà, son cas est gâté. Et pop, pour elle, il n'y a rien à plus faire. Que si elle peut sauver au moins ma petite fille. Et cette grand-mère-là, c'est la mère de la sorcière-là. Ça, c'est le film vraiment, le film. Digui, tu te laves à 3 heures, je suis venu te conseiller dans le sommeil. Ah, c'est bien. Ça veut dire que la mère elle-même, elle est morte. Elle est arrivée dans le monde là, elle a vu que ma propre fille, elle est trop méchante sur sa grande soeur. Elle est méchante sur les enfants de sa grande soeur. Attends, je n'ai pas aidé l'enfant là. Là, voilà qui est seul. Il n'est pas l'aider aussi. Je ne vais même pas arriver sur les copines aujourd'hui. Et les copines qui sont là, elles t'observent. Quand on te donne l'argent. Parce que 2 jours avant celle-là, il y a une autre qui était venue. Dès qu'elle commence à faire son lavage comme ça, là, pap, elle commence. L'esprit commence. Wow, je ne la laisse pas partir. Elle donne le nom. Il savait que c'est une de ses copines. Son mari l'aime trop. J'ai bloqué ses finances. Écoutez, hein, votre argent qui est dû là. Hein. Vous pensez que quelqu'un est pas. Non, ça va venir. Ça fait 3 ans que tu cherches l'argent, tu ne vois pas. On te promet, la dernière minute, la personne te dit que oh, ma mère est morte. J'ai dû prendre l'argent que je devais te donner pour faire le deuil. Quand je suis arrivé au Gabon, quand je suis arrivé ici, j'ai vu un monsieur. Je suis entré dans le magasin d'un monsieur, la première fois que j'entre dans son magasin. C'est un monsieur aussi, il est brun. Il a les yeux du chat. Très gentil. Très serviable. Je lui dis, je parle, j'arrive l'argent là-bas, il commence à me dire, parle-lui. Il dit, ouais, monsieur, pourquoi tu es tellement simple? C'est le genre de monsieur que tu vois son magasin, tu sens qu'il a eu l'argent.
Mais on l'a démuni, on l'a dépouillé. Parce que quand tu regardes ce qu'il a exposé, tu sens que ça fait des mois que c'est là-bas. On n'achète pas. L'autre jour, je suis là-bas, j'attends qu'il fasse quelque chose sur mon téléphone. Une femme vient. Voilà une scène que je vis. Hein. Je suis là comme ça, j'attends. Une femme vient. Il avait donné rendez-vous à la dame un dimanche. Il avait réparé un de ses appareils. Elle devait venir prendre et lui donner 50 000. Il donne l'heure du rendez-vous. À l'heure du rendez-vous, il savait qu'il a une idée merveilleuse de partir derrière l'immeuble chercher l'eau pour laver le sol. Donc, il sort, il ferme un battant à clé. Il laisse l'autre côté ouvert. Il part. Il arrive en train de puiser l'eau. La femme vient quand il est en train de puiser l'eau derrière. Elle voit c'est fermé. Elle tourne, elle marche un peu, elle monte, elle descend dans la rue une, deux, trois fois. Elle se fatigue, elle prend son taxi, elle part. Avec ses 50 000 dans sa poche. Dans le taxi, pour rentrer chez elle, on l'agresse. On prend les 50 000. Interprétez-moi cette histoire, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes devenu un peu vous êtes un peu sage. Dites-moi. Écrivez, j'attends pour lui. Vous allez sûrement vous dire, voilà, ce n'était pas sa chance ce jour-là. Il n'avait pas... peut-être qu'il n'était pas censé avoir l'argent là le jour-là. Pour savoir que tu es bloqué. Quelqu'un sort de sa maison avec ton argent dans sa main. Il arrive au portail, on l'appelle, on lui dit, ton enfant a fait l'accident, il est à l'hôpital. Tout l'argent qui est dans sa main là, il part, il dépose à l'hôpital. Toi à qui il devait donner l'argent là, tu es bloqué. Quelqu'un te promet, hé, ma fille, j'ai consulté une comme ça l'autre jour, non? Elle me dit, elle a un papa là qui est très haut placé dans son pays. Je ne vais même pas dire quel pays parce que je vous connais. Mais c'est en Afrique. Elle dit que le papa là a pris son dossier. Elle dit que je vais te placer dans les prochaines nominations au Sénat. J'ai mis presque le kit de blocage. Hein? Tu as fini avec. Oh my God. Ok. Oh Seigneur, vous m'avez vu, laissez seulement, vous avez fini avec. Tu as une fois fait le diagnostic, tu as fait la prescription, kit de blocage, plus. Elle dit que, donc dès que les nominations, à la veille des nominations comme ça là, pam, 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 petit problème. La liste sort, son nom n'est pas là. Et elle dit que toutes les autres personnes que l'homme l'a placées sont sorties. Quelqu'un dit peut-être que non, je vais te donner tes... Ok, je vais te donner ma voiture. Quelqu'un va acheter ma part, je vais te donner pour toi. Je vais te donner l'ancienne voiture. Le jour où il achète la voiture, en rentrant à la maison avec l'ancienne voiture, on fait l'accident. Non, en fait, je veux que vous compreniez que tous les fonds vous a promis des choses, ça n'a pas marché. Tu arrives dans un pays, on te dit que le réseau des CAOL aussi est bon. Donc, deux jours avant que tu partes faire ta part, on enlève la personne qui est au bureau là-bas.
Ma chérie, fais encore tes lavages. On te dit que non, regarde, la semaine passée, j'ai fait voyager telle personne. Donne-moi ton argent, donne-moi ton passeport. Je vais te faire passer à l'ambassade. Dès qu'il prend ton argent, celui qui est à l'ambassade, là, tombe malade. 3 mois de maladie. Analysez vos vies. Analysez vos vies. Bonjour, la reine Olga, comment tu vas? Le père de ton enfant s'occupe bien de tous ses autres enfants. Chaque fois qu'il est censé donner l'argent pour ton enfant, il y a un problème. Ma chérie, tu es bloquée. Ton enfant est bloqué. Tu as passé des blocages à ton enfant. Travaille sur toi et ton enfant. Quitte fondation, s'il te plaît. Et lavage à distance. Tu rencontres un monsieur, il te dit, ah, il prend ton numéro. Dès que j'arrive au bureau, je donne ça au département des... On va t'appeler pour le boulot. Hein. Oui, on cherche quelqu'un qui a tes capacités là. Il prend ton numéro. Il arrive en route, l'écran du téléphone se casse. Il ne t'appelle plus jamais. Quelqu'un prend ta carte de visite. Il arrive en route dans le taxi. On vole son sac. Rien n'est au hasard. Avant, tu pensais que c'était le fruit du hasard. Le hasard n'a pas l'enfant, ça n'accouche pas. Le hasard, ce n'est pas l'arbre. Ça ne produit pas les fruits. Et quand tu comprends que ça, ce n'est pas censé être, tu peux te lever, tu dis que, hey, l'homme là qui a dit qu'il va m'appeler pour me donner telle chose, je dois avoir la chose. Voilà ta prière. Tu tapes 3 jours de jeûne. Seigneur, Seigneur, la vache, tu envoies même on lance la pro village. Bonne année à vous. Philippe Koulibaly, si tu es en Côte d'Ivoire, c'est la poisse. Ça, c'est les mots français. C'est les Français qui vous ont donné ces mots. La poisse. La poisse me voit. La poisse marque. Hein? Poisse femaha. La poisse sodou. C'est le nom de qui? C'est lequel? Voilà le numéro de la Côte d'Ivoire. Plus 225-05-49-05-95. Côte d'Ivoire. Et dans le numéro général. Le numéro général, c'est... Plus 225, pardon, le Cameroun est au Cameroun, plus 237, 693, 50, 22, 66. 693, 50, 22, 66. On voit un numéro général auquel vous pouvez te contacter. Bonjour, monsieur Simplice, comment tu vas? Et là, je ne suis pas là pour expliquer comment on lance la poule au village, papa. Tu as compris. C'est plus pour les Bamileke, les gens qui sont des autres villages, là. Je sais que vous ne faites pas ça chez vous.
Si tu n'es pas bamileke, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Donc, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas bamileke et vous voulez toujours lancer la poule, vous me contactez. Donc, je peux faire ça pour vous. Parce que si vous lancez, vous ne saurez même pas où faire ça. Vous ne saurez pas comment faire dans votre village. Tant que tu ne comprends pas que ta bénédiction qui a raté, c'est parti. Que ça, c'était pas censé être. Tu ne peux pas recevoir. Parce que tu vas dire, ah, ce n'était pas le temps. Seigneur, j'attends le temps de Dieu. Comme ça, Dieu a laissé, ça va partir devant toi. Et ça va, si vous comprenez un peu. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé du monsieur qui cherchait le partenariat depuis 10 ans. Finalement, il vient au pays faire son travail. Il rentre en Bénin. Il ne fait même pas 2 semaines. On lui signe un contrat. On dit, voilà, monsieur, dans moins de 3 semaines, on va monter au pays. On descend là-bas au Cameroun. Pour mettre les succursales. Et c'est lui qui va gérer les projets au Cameroun. Ça veut dire qu'il va représenter l'entreprise européenne en Afrique, au Cameroun. Si ça, ce n'est pas la promotion, dis-moi. Donc, merci à ceux qui ont partagé la vidéo déjà. Parfois même, il y a les gens que tu n'as jamais aimé, ton sang n'a jamais collé avec eux. Et tu n'as jamais su pourquoi. Parce que je te dis que la personne n'a pas d'intérêt particulier à te détester. Faites confiance en votre instinct. Faites confiance en votre instinct. Dieu n'a pas mis les sentiments ou les pressentiments pour rien. Voilà, la reine, je vois au Sénégal ici qui achète des oiseaux sur lesquels Mamie Tagro, voilà, ils font pareil. Donc lancer la poule, c'est faire ça. Mais la différence, c'est que on fait ça sur un lieu sacré. Donc quand on fait ça dans ton village, ça veut dire qu'on part, chaque famille au village a son lieu. Donc, généralement, les villages, tu peut-être, Batoufam est divisé en plusieurs. Quand tu pars à Batoufam, tu veux lancer ta poule, on t'emmène sur un lieu particulier. Maintenant, si tu n'as pas de lieu, tu parles seulement, tu lances. Voilà. Mais je fais ça dans un endroit où il y a on va dire quoi, la bénédiction et l'onction. Il y a des personnes que je n'ai jamais aimées particulièrement. Et à chaque fois, on vient dans les rêves, on me montre. Tu vois que tu as peut-être certaines personnes que tous les 6 mois, tu vas rêver que la personne est en train de te prendre tes choses ou de te poursuivre ou de te vouloir du mal. Écoute ça. Écoute. Vanessa, tu dis que non, pour faire toi-même. Je sais que vous êtes très inspiré. Hein. C'est pour ça qu'il y a des choses comme ça que je ne parle pas trop. Surtout pas ici sur Facebook.
Tu vois, tu vas aller faire ton meilleur, pas le problème. Je ne peux pas faire moi, je vois, moi, je suis ça. Ne dis pas que c'est moi qui t'avais dit d'aller faire. Ami Tago, je ne sais pas. Il y a un truc avec vous que je ne comprends pas. J'ai plein de sorciers qui me regardent. Vous voulez que je vienne vous montrer comment on délivre les gens ici sur Facebook? Vous êtes bêtes jusqu'à ça entrer dans votre cerveau. Ça fait la bouillie dans votre cerveau. Vous avez suivi? Ça, il y a la bouillie dans votre cerveau. Même en inbox, je ne vous dis pas. Vous ne me connaissez pas. Il y a des gens qui... Je ne peux pas dire le nombre de personnes par jour qui me disent que... J'ai mes tanticônes qui m'ont écrit. Ils me disent qu'ils m'ont vu commenter sur ta page. Eux-mêmes, ils ne connaissent... Ils ne vont pas commenter sur ma page. Mais ils vont vous guetter dès qu'ils vont voir votre message. Ah, elle la suit. Soyez sage. Parfois, il ne faut pas s'attirer des problèmes non nécessaires. Il faut toujours te dire que j'ai assez de problèmes comme ça. Je ne veux plus d'autres problèmes. Donc, ça, quand vous êtes bête, vous partez chercher encore les problèmes que vous mettez sur vous. Quand on a passé des années à te bloquer, tu trouves un endroit où on te conseille, tu commences à comprendre. Tu viens, tu t'affiches. Tu es bête. Tu vois, tu es trop sage, non? Tu es bête. Christelle, bonjour. Bonne année. Ils vont dire qu'elle connaît déjà un peu. Donc elle regarde déjà les vidéos. Bloqué encore. S'ils avaient tourné ça à 40%, ils vont encore tourner ça à 70%. C'est pour ça que vous dites que quand vos choses commencent à marcher, cherchez un coin où personne ne vous voit. Déménagez, changez de pays. Ton bonheur n'est pas censé être vu par tout le monde. Il y a des gens que quand ils vous voient seulement, on voit ton visage est bien. Ça ne leur plaît pas. Ah, quand elle a fait le make-up, elle est belle. Elle a mis la perruque, elle a mis la lace wig. Waouh. Je ne le dirai qu'une seule fois. Si vous me voyez comme ça, là, ce n'est pas par hasard. Parfois, tu fais semblant d'être toujours bête comme tu étais, ça fait 5 ans là. Oui. Tu fais semblant d'être bête. On a eu sa mère. On a mis sa mère dans la tombe, non? On a tué sa mère. Maintenant, il faut qu'on... Elle là, on a tiré ça. Bientôt, on va finir avec elle aussi. Alexis, je crois que tu viens d'arriver. Je crois que tu viens d'arriver sur ma page. Alexis, tu viens d'arriver. Tu dis que pourquoi quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève te fait du mal et ça t'atteint? Écoute encore mes vidéos, Alexis. Je ne vais pas m'attarder pour te répondre. Tu as compris, ma chérie? Et les gentilles paroles, je ne veux même plus la gentillesse. Je ne veux plus la gentillesse. Je ne veux plus la gentillesse. Oh ma fille, parce que quand quelqu'un est gentil avec toi, tu lui dois quelque chose. La personne peut profiter pour venir
Ok, il faut que je peux venir. Est-ce que je peux te visiter? S'il veut te visiter, ça veut dire que ça va là où tu vis, non? Il y a même les gens qui viennent chez vous, vous les laissez accéder dans votre chambre pour rien. Non, je vais dormir sur ton lit. Tu es le bébé. Tu arrives dans ma ville, va à l'hôtel dormir. Va à l'hôtel dormir. La personne vient, tu ne connais pas ses motifs, tu ne connais pas ses intentions. Ça fait 3 ans qu'il ne t'a pas visité. Hein. Il se lève un 2 janvier et te dit, je viens dans ta ville. Kounia, tu sais comme tu es bête là. Cherche l'hôtel. Tu lui envoies les coordonnées de l'hôtel. Tu dis réserve ici là. Bonjour Christelle. Dis à la personne de réserver. Ne le tape en bas de la table, laisse là-bas, laisse. Je vais travailler là-bas aujourd'hui. Hurry up. Personne va te trouver là-bas avec une bombe. Parce qu'elle va venir. Il y a des gens que quand tu sors, même pas dans ta chambre, regarde tes habits. Regarde tes habits. Et fouille tes armoires, regarde tes sous-vêtements. Les gens sont tordus. Bella, bonjour. Amel, c'est comment? Tu vas bien? Même savoir là où tu vis, les gens doivent plus savoir. Ils vont chercher, ils vont regarder dans leur boule de cristal pour deviner ton adresse. Ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas venir chez toi. Résister à cette envie. Souvent, ils envoient leur radar, non? Check, elle fait quoi? Elle travaille où? C'est qui son gars? Elle soit avec qui? Elle soit avec qui? Tu trouves la personne qui est en train de mesurer tes perruques. Si vous voyez ce que les gens font. Ma chérie, si tu vis avec quelqu'un à la maison, ferme ta chambre quand tu sors. Ferme ta chambre quand tu sors. Parfois, tu dis, mais attends un peu. Tu fais quoi dans ma chambre? Tu fais quoi dans ma chambre? Ça t'amène quoi? Ça t'apporte quoi? Sans compter ceux qui volent ton habit. Elle vient chez toi et vole ton habit. Elle paie porte. Écoutez, ton énergie, ton onction est sur ton habit. C'est comme ça qu'on peut souvent t'attaquer quand on prend ton vêtement au travail sur ça. C'est comme tes empreintes digitales. Et je vous dis toujours que même les gens que vous pensez que Michel Cole, open the door. Je ne sais pas qui. 1 minute. Bonjour. Ah, c'est toi.
Comment tu vas? Oui. On t'a montré la cuisine là-bas. Elle a déjà commencé. Aurélie, tu peux laisser, tu peux sortir. Et parfois, quand tu regardes, tu te dis que moi, si c'est pas chez la personne, si je n'oserais pas entrer dans sa chambre. La personne prend le culot ou le cran ou pourquoi je la laisse à la maison? Elle guette d'abord, elle met les enfants devant la télé. Elle entre dans ma chambre. Je vous dis souvent que mettez les caméras dans votre chambre. Vous serez surpris de voir ce que les gens font à votre absence. Il y a votre chambre et aussi vos enfants. Parfois, quand tu laisses quelqu'un avec ton enfant, même la caméra pour voir. Pour voir comment la personne se comporte avec ton enfant quand tu n'es pas là. Quand c'est le nouveau-né, alors c'est grave. C'est Dieu qui protège nos enfants, je vous dis. Fais très attention. Mais c'était ma copine. C'était ma meilleure amie. C'était ma ceci. Il n'y a plus ça sur ça. Pourquoi tu n'es pas ton propre ami? Tu t'ennuies? J'avais espoir en toi. J'avais cru en toi. Voilà les mots que vous dites. Il y a les copines qui sont jalouses. Pourquoi tu arrives en Europe, tu as les papiers avant elles? Ça fait 5 ans qu'elle est là. Toi, tu arrives en 1 an, tu travailles déjà. Elle commence à dire, je peux venir chez toi quand? Je peux venir te visiter quand? Non, mamie, je ne suis pas là, je travaille. Parce que quand quelqu'un est simple, lui prend tout le monde comme son ami. Et c'est comme ça que son bonheur se coupe toujours quand ça va arriver. Donc son bonheur se coupe toujours. Tu sais pas pourquoi. Ça fait tchaka que ça se coupe. Je vous raconte comme ça pour que la prochaine fois que quelqu'un va venir chez toi, est-ce que je peux. Avant d'accepter, tu as dit, pourquoi est-ce qu'elle tient à venir chez moi le week-end? Et elle sait que je travaille le week-end. Ma chérie, pardon, tu peux fermer la porte? Ma chérie! Oh my God. Le juste que c'est que toi, tu es gentil. Tu aimes les gens. Mais parfois, Dieu te permet. Souvent, généralement, les aveux de méchanceté, ce sont les esprits-là qui parlent souvent. Quand il est dans la personne. Et voici les refrains qu'ils font généralement. Son mari l'aime trop. Mon mari t'aime, ça te dérange. Genre, la personne ne te déteste pas parce que tu es venu voler son mari, parce que tu es venu gâter son foyer. Non, la personne te déteste parce que ton mari t'aime. Je veux que vous compreniez un peu la psychologie des méchants. Elle est trop intelligente. C'est pas toi qui paye mon école. Je ne te demande rien.
je fréquente, je ne vis pas chez toi. Tu dis que je suis trop intelligente. Like, what the F? Parfois, la personne t'accueille dans un pays. C'est la petite soeur de ta mère ou bien je ne sais pas qui, quelqu'un comme ça là. Elle t'accueille. Tu arrives en 6 mois, tes portes s'ouvrent. Tu décroches un grand travail dans une grande boîte. Tu es accepté dans une grande école de formation. Il y a une qui m'a dit comme ça que elle a vécu chez une tante à Paris. Son relevé de note finale arrive pour ses examens. Avec le relevé de note là qu'on allait lui donner la promotion au boulot. Jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas là où le relevé de note est passé. C'est arrivé, la tante a pris, ça a disparu. Elle était en galère, elle est sans papier aujourd'hui parce qu'après elle a perdu le boulot. Perdu le boulot, perdu les papiers, perdu. Donc, de fil en aiguille, catastrophe. Parfois, on vient voir que ton gars t'a ouvert le magasin. Il y a une là qui me dit non, elle a bafoué ça. Son gars a dépensé. Maman, qu'elle m'a raconté. Elle a fait le lavage. Chez moi d'abord, elle a fait elle-même sa part. Parce que vous dites, quand elle travaille chez vous, vous-même là, vous avez des choses à faire chez vous à la maison. Première nuit, elle voit d'abord comment quelqu'un l'a. Une femme l'a attachée quelque part. L'a fouettée. Fait des incantations sur elle. Et elle voit comme une caméra spirituelle qu'on montre comment quelqu'un est en train de tuer un animal sur elle. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a des trucs, il y a des degrés de blocage qu'on doit absolument tuer un animal sur vous parce que pour aller vous bloquer, les gens sont allés tuer les animaux. Est-ce que dans le rêve, elle voit comment la femme est en train de tuer une chèvre? Elle verse le sang sur sa photo dans le rêve. Pour le rêve de 3 heures. Et la femme est en train de jurer que tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais riche. Elle dit qu'elle a pleuré dans le rêve. Qu'est-ce que j'ai fait à la femme-ci? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, un homme qu'elle considérait comme son père. Elle avait son mari, voilà. Son mari lui ouvre un petit endroit, elle va recevoir ses clients, elle va faire son truc. Le père les visite. Et dans sa prière le matin, il disait que Seigneur expose mes ennemis. Le père dit à son mari que tout l'argent que tu as mis dans le business pour la femme, si elle ne mérite pas. Il fallait que tu me donnes. Je construis ma maison, je te rembourse petit à petit. Le mari lui dit, maman, voilà ce que ton père vient de me dire, que je suis dépassé. Ton père. Quand elle ouvre son magasin, il entre dans le magasin. Il commence à dire, vraiment. Donc, elle dit que chaque fois, ça ne te mérite pas. Pourquoi tu ne devais même pas faire ça maintenant? Ça l'a tellement fait mal qu'il est parti parler à son mari. Même. Tu n'aurais pas dû faire ça. Soyez toujours gentil. Soyez toujours gentil. Et ne comptez pas sur vos mères, vos pères, parce que eux-mêmes là, ils sont un peu comme les joueurs qu'on les a déjà mis sur le banc de touche. Mais si tu dors sur ta vie et tu dors sur la vie de tes enfants, tu vas lire, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. L'enfant va te taper des têtes, est-ce que tu ne vas pas comprendre d'où ça sort? Pas tout le monde que tu es censé exposer ton mariage sur les réseaux sociaux. Avec tous les couples de TikTok qui font, ils disent, oh,
Tu prends les fleurs, tu viens offrir à ta femme, tu filmes. C'est pas la vie de tout le monde que tu dois faire comme ça. Parce qu'il y a les gens que s'ils savent même qu'il y a un homme qui te touche, qu'il y a un homme qui te caresse la nuit, tu vas voir. Et tu les as rien fait. Voilà, ton père dit à ton mari que tu n'es pas facile. C'est même pas pour le décourager que c'est pour faire quoi. Tu peux gêner enseignant, oui. Bonjour, Opu. Il y a certains de vos prétendants que quand ils arrivent comme ça, on les bloque. Le gars est fuyant qui ne comprend pas. On l'a bloqué. On bloque le gars. Les choses ne marchent pas. Il se fatigue derrière toi, il part. Il dit que c'est quel genre de femme ça? Depuis qu'il te connaît, mes choses ne marchent pas. Vous avez appris vos leçons, vous avez appris, c'est bien. Si vous n'avez pas appris, la souffrance va vous apprendre. Merci pour les partages et les commentaires. Pardon, répondez à Emmanuel. Je crois que tu es nouvelle sur la page ici. Va sur YouTube, tu regardes les vidéos, Emmanuel. Bon. On veut savoir ce que tu manges. Pour savoir si tu manges mieux que. On demande comment tu vas. Si tu dis que tu vas bien là, ça veut dire qu'elle n'a pas de soucis. Comment? Pourquoi? Bon, bonne journée à vous.